Pittsburgh. Fruitos! C'était Buffy avec les yaourts Fruitos. Ce poème apporte la chance, ne le garde pas. Si tu romps cette chaîne du cœur, le malheur va frapper à ta porte. Avant de les jeter à la poubelle, ce genre de lettres nous a tous amusés. Vincent M, ne croyez pas au pouvoir de cette lettre. Il a été renversé par sa dieu. Et puis un jour, on regrette d'avoir brisé cette chaîne du cœur. Il se passe des choses et c'est en rapport avec cette lettre. Quelqu'un m'en veut. T'es parano, ma vieille. Faut te faire soigner. Mercredi à 20h50, Un mauvais présage mène la danse dans la collection Vertige. L'ermite Thierry, c'est l'homme qui nous intéresse. Voilà. À part ses vilaines bottes et ses chaussettes blanches, son seul défaut, c'est lui. Junio Girard, squatteur, trafiquant d'art à la petite semaine. Contrairement aux apparences, ça ne se baisse pas, c'est un fruit. Elle, c'est la Polonaise, dite la fiancée qui venait du froid. Elle cherche un pigeon pour un mariage blanc, alias notre homme. Laisse tomber, Paul. Tu veux te faire une polaque, c'est ça? Arrête, c'est un mariage blanc. N'empêche que si tu la sautes, elle ira pas se plaindre au service suprême. Do you speak French or only Polonais? Vous l'avez compris, votre mission, c'est purement et simplement de dégager le parasite à moustache jeudi à 20h50. Flexion, extension. Allez, tout en souplesse. Vitel, le mobile. Il se passe quelque chose de vraiment spécial chez Nissan. Vous pouvez le sentir. C'est une sorte de révolution. Je pense que vous allez être très étonnés par Nissan dans le futur. C'est le moment de découvrir Canal Satellite. Tous les thèmes pour 99 francs par mois. La parabole, gratuite. Et la F1 sur 6 canaux, gratuite. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Qualité de vie meilleure, ça vous intéresse? La circulation dans votre ville aussi? Les équipements sportifs et culturels, c'est important. Le logement et les soins pour tous, votre sécurité. Et n'oublions pas les enfants. Mais si vous ne votez pas, d'autres décideront à votre place. C'est si simple d'exprimer son avis. Les 11 et 18 mars, vous pouvez faire entendre votre voix aux élections municipales. Alors allez voter, si tout le monde peut y gagner. SIDEM, des associations pour l'esprit civique. Esprit civique, esprit civique, esprit civique, esprit civique. Caramel intense, une crème encore plus onctueuse. On ne résiste pas à la nouvelle recette crème caramel de la laitière. La laitière, sa crème caramel restera dans l'histoire. Signé Nestlé. Ah, déjà. Sur M6, votre soirée commence à 20h50 avec La Mutante. Ben Kingsley a donné naissance à une charmante créature, mais celle-ci a des idées très arrêtées sur son futur immédiat. Puis, dès 22h45, Treat Williams est le Substitute 2. Ancien marine, il est un professeur aux méthodes plutôt expérimentales. Que la force soit avec vous, ce soir sur M6. Tout de suite, e-minute, avec World Online, fournisseur d'accès de services Internet. C'est pas le 8 minutes qui vous dira le contraire, Internet est utile, très utile et parfois même indispensable. Pourtant, cherchez bien sur la toile, vous y dénicherez des tas de
pages sans aucun intérêt et des tas de sites garantis 100% inutiles. C'est un genre qui fait fureur sur le web. Il existe même un portail consacré aux sites les plus inutiles. Le problème de ce portail, c'est que lui, il sert à quelque chose et qu'à ce titre, il n'a donc pas sa place au palmarès de la nullité. Non, voici un exemple de site qui ne sert à rien. Autre échantillon de parfaite inutilité. Et des comme ça, il y en a à l'appel. Des enquêtes qui ne servent à rien, aux sites les plus moches et les plus ennuyeux. Si vous aimez, régalez-vous, vautrez-vous dans l'inutile. Et si par bonheur, vous finissez par vous exclamer que c'est vraiment nul, alors victoire, cela voudra dire que les auteurs ont atteint leur but, vous dégoûter de leur site. D'ailleurs, ne vous gênez pas pour leur dire combien leur site est inutile. Pour eux, ce sera la cerise sur le gâteau, le véritable triomphe. Le problème avec les sites inutiles, c'est qu'il y a un risque d'accoutumance. Et oui, si l'on a un peu le sens de l'humour, il est possible de devenir accro de l'internet inutile. Alors attention, parce que si vous vous mettez à éprouver du plaisir à surfer de page nulle en page nulle, les sites en question ne seront plus inutiles et donc ils auront échoué. C'est dingue, non ? Toutes les adresses et même plus, m6.fr. À demain pour un nouveau e-minute avec World Online, fournisseur d'accès de services internet. Le drame est un des plus graves qu'ait connu le Portugal. 70 à 80 personnes ont probablement trouvé la mort lorsque ce pont s'est effondré hier soir à une trentaine de kilomètres de Porto, précipitant un autocar et deux voitures dans les eaux du Douro. J'allais juste traverser le pont. Mon fils l'avait fait à peine 10 minutes avant. J'ai entendu un grand bruit et j'ai vu le car qui partait devant et soudain, ses lumières ont disparu. Je me suis approché du bord et je ne voyais plus les voitures. Les recherches n'ont permis de retrouver que deux corps jusqu'à présent. Le pont, construit il y a plus d'un siècle, était en mauvais état et tout le monde dans la région le savait. Au lendemain de l'accident, le ministre portugais des Transports a présenté sa démission. Un deuil national de deux jours a été décrété. La menace de la fièvre aphteuse plane toujours sur l'Europe continentale, même si les premiers résultats d'analyse ne signalent aucun cas avéré, ni en France, ni dans les autres pays européens. Résultat négatif dans cette ferme de la Loire, mise en quarantaine la semaine dernière. Ça n'empêche pas les pouvoirs publics de renforcer les mesures de précaution, des analyses ayant confirmé que certains moutons ont été en contact avec des animaux porteurs du virus, même s'ils n'ont pas eux-mêmes développé la maladie. Pour ces porteurs sains, c'est l'abattage systématique et l'incinération. Depuis le début de la crise, 50 000 bêtes ont été tuées de cette manière. C'est une exploitation qui a reçu des ovins en provenance d'Angleterre et de ce fait, tous les ovins d'exploitation sont abattus et incinérés. Donc c'est une exploitation dans laquelle on n'a pas trouvé de cas de fièvre aphteuse. Pour l'instant, on n'en a pas. Autour des fermes suspectes, deux cordons sanitaires. Le premier, large de 3 km, dans lequel toute circulation, homme ou bétail, est interdite. Le second, de 10 km, où la circulation est réglementée et les véhicules désinfectés. Le ministre de l'Agriculture suspend tous les mouvements d'animaux pour 15 jours afin d'empêcher l'extension de la maladie. Une mesure qui pourrait aussi entraîner l'annulation de toutes les courses hippiques sur le territoire. Ce sera déjà le cas demain à Maison Lafitte. Quelques réponses aux questions que vous vous posez peut-être sur cette fièvre aphteuse. D'abord, elle n'est pas dangereuse pour l'homme, seulement pour certains animaux. Cette maladie touche tous les animaux qui ont les pieds fourchus, c'est-à-dire les porcs, les ruminants, c'est-à-dire les bovins, les moutons et les chèvres, et les animaux sauvages correspondants. Pas de danger donc pour les chiens ou les chats. Autre question, les éleveurs qui ont dû abattre des bêtes seront-ils indemnisés ? Les 20 000 animaux ovins importés du Royaume-Uni ainsi que les 30 000 animaux français qui étaient entrés en contact avec ces animaux sont en cours d'abattage et de destruction et feront l'objet d'une mesure d'indemnisation nationale. 500 francs pour les ovins, 5 000 francs pour les bovins. Enfin, pourquoi ne vaccine-t-on plus les animaux contre la fièvre aphteuse ? On ne les vaccine pas depuis 1991 parce qu'on avait éradiqué la maladie grâce à la vaccination. Donc le deuxième stade, c'était
d'arrêter la vaccination, d'autant plus que certains pays ne voulaient pas que l'on exporte des animaux parce que eux étaient indemnes et la vaccination signifiait que l'on n'était pas indemne. On achète à 5,5 et on nous taxe à 19,6. Vous avez un problème quelque part, non ? La colère des restaurateurs et des ménageurs bloque le trafic aux frontières un peu partout. Dans le nord, l'est ou le sud, ils barrent les points de passage pour réclamer la baisse de la TVA, toujours à 19,6 dans la restauration traditionnelle. On pourrait faire des apprentis, faire de la formation, ça coûte très cher. Pourquoi ? Parce qu'on paye des charges et on paye une TVA qui nous tue. Vous savez, on est contaminé par la TVA. Baisser la TVA, disent les restaurateurs, et nous pourrons embaucher du personnel supplémentaire. Pour Charlie, restaurateur à Paris, c'est actuellement impossible. La baisse de la TVA pour chez moi, c'est au minimum, dans le plus mauvais des cas, 200 000 francs par an. L'argent que dégagera cette opération-là, ce sera pour la réduction du temps de travail. Je leur ai déjà dit au mois de septembre l'année dernière, et je le ferai. Mais ce qu'ils réclament avant tout, c'est plus d'égalité entre les professionnels de la restauration. Il y a une règle, c'est qu'en Europe, c'est un pays, une profession, un taux. Sauf qu'en France, eh bien, vous avez des gens, quand ils vendent des sandwichs, des trucs surgelés dans des sandwichs, ils ont droit à 5,5, et nous, on a 19,6. Et on ne demande pas la lune, on demande l'égalité fiscale. Au ministère des Finances, on répond qu'une baisse de la TVA doit être autorisée par l'Union européenne et qu'elle entraînerait une hausse des impôts en France. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour rétablir la circulation. La suite de notre série de coups de flash sur quelques grandes villes de France à 6 jours du coup d'envoi des municipales. Aujourd'hui, Bordeaux, où 10 listes sont en présence pour ce premier tour. L'enjeu, résumé par Philippe Brachet. En 6 ans, Bordeaux a d'abord réparé un oubli, son fleuve, longtemps occulté par une barrière infranchissable de hangars désaffectés. Et aujourd'hui, débarrassé du béton, les quais de Garonne offrent aux Bordelais un espace de promenade et de loisirs en plein cœur du centre-ville. Ce toilettage spectaculaire s'accompagne d'une mise en valeur de l'autre rive, la rive droite, ancien quartier industriel et populaire qui commence à renaître de ses friches à coups de projets immobiliers et d'aménagements d'espaces verts. Et puis Bordeaux, bien après d'autres, s'est aussi lancé dans l'aventure du tramway. Entamé en 2000, les travaux s'achèveront dans 6 ans. Mais ce chantier aura un prix, l'aggravation du chaos automobile, déjà placé au premier rang des motifs de mécontentement par les Bordelais. Le maire actuel, Alain Juppé, et son principal adversaire, le socialiste Gilles Savary, en font d'ailleurs l'un des thèmes majeurs de leur campagne. S'y ajoute le chômage, qui flirte avec les 12% dans une ville dont la fiscalité a diminué et la population légèrement augmentée. Bordeaux a du retard. La ville de Nantes a été la première ville en France avec Grenoble à mettre en place un transport en commun en site propre, un tramway, dès 1979. Toulouse est équipée d'un métro. Mais je ne crois pas que ça soit significatif. Ce sont des dossiers qui, en tout état de cause, sont en phase de règlement et qui, d'ici 5 ans, auront permis à Bordeaux de rattraper le statut de ville comme Nantes et Toulouse. Quoi qu'il en soit, au soir du premier ou du second tour, Alain Juppé devrait conserver sans grande difficulté la mairie. En revanche, il risque de perdre son chapeau de président de la très puissante communauté urbaine, détenue à l'heure actuelle par une petite voix de majorité. Le passage à gauche de quelques communes périphériques pourrait faire basculer la cube. Alors le premier magistrat devrait se concentrer sur sa ville, la belle endormie, comme on l'appelait autrefois, à charge pour lui de la réveiller définitivement. Il a été choqué, hein. Traumatisé. Hein. Déjà d'avant, tout petit, il avait peur des chiens. Alors là, c'est le blocage total là maintenant. Le choc ce matin dans cette école maternelle du Nord, près de Denain. Ce chien, un bull terrier, s'est introduit dans la cour de récréation et attaqué les enfants qui allaient prendre le car. C'est une chauffeur qui lui a donné un coup de bâton et après le chien il a commencé à mordre, après il a mordu les autres. J'ai reçu un coup de téléphone comme quoi mon garçon était agressé par un gros chien, un genre de pugbule. Plusieurs enfants étaient agressés, donc je suis venue en courant, il y avait les pompiers, le SAMU et mon garçon était parmi eux quoi. Trois enfants ont été mordus aux jambes et un quatrième au visage, des blessures légères. Les 4 enfants ont été soignés à l'hôpital et vaccinés par précaution contre la rage. C'est un chien qui me semblait agressif, hein, parce qu'ils ont eu bien du mal à l'enlever des jeunes, des enfants. Le propriétaire du chien est actuellement entendu par la police pour éclaircir les circonstances de l'incident.
Le débat sur la violence à l'école, Jack Lang veut faire reculer ce qu'il appelle l'apartheid scolaire, en favorisant la mixité sociale. Les établissements, de leur côté, privilégient le dialogue, tout en n'excluant pas la fermeté. Ici, au Collège des Grands Champs, à Poissy, on a mis en place un barème très précis des sanctions pour chaque situation. Une grosse insulte classique que je résumerai par NTM sans publicité musicale, si c'est la première fois, de toute façon, ça mérite d'être puni, mais il n'est pas forcément nécessaire d'en faire un drame. Mais expliquer à l'élève que, tout comme il n'apprécierait pas que son père ou sa mère reçoive ce genre d'insulte, il n'y a pas de raison qu'un enseignant ou qu'une surveillante le reçoive de sa part, et qu'il y a d'autres façons d'expliquer qu'on est fâché, qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. On appelle ça le SESAM, suivi éducatif des sanctions et des mérites. Ça ressemble à un constat amiable entre automobilistes. Après un incident, élèves et adultes expliquent leur version des faits dans un rapport. Ça permet de prendre du recul par rapport à l'événement à chaud d'un conflit. Donc ça c'est bien parce qu'on paraît plus juste par rapport au cas de l'élève. En 3 ans d'existence, le bilan du SESAM est plutôt positif. Après des années où agression, tag, dégradation du matériel étaient le lot quotidien, la situation s'est nettement améliorée ici. Il arrive qu'il y ait des jours où il n'y ait rien à réparer. Regardez, une semaine avec un joint de fenêtre abîmé, rien à signaler, une serrure bouchée, un graffiti. Pour presque 500 élèves au total, 5 jours par semaine, je ne dirais pas que c'est acceptable parce qu'on préférait qu'il n'y ait rien. Mais ça montre qu'il y a vraiment un gros, gros, gros progrès. Encore une fusillade dans un lycée américain dans la banlieue de San Diego. 9 personnes au moins ont été blessées, pour la plupart des élèves. La fusillade s'est déclenchée juste après le début des cours. Une personne a été arrêtée. Les fêtes de l'Aïd el-Kébir endeuillées dans la ville sainte de la Mecque. 35 pèlerins ont été tués dans une bousculade lors du rite de la lapidation de Satan. Plusieurs millions de fidèles participent en ce moment au pèlerinage. Attention aux avalanches dans les Alpes. Avec les fortes chutes de neige et le redoux, les risques sont très sérieux. Un moniteur de ski a été tué par une coulée hors piste à Vars. Prévision météo après le 6 minutes. Bonjour, bienvenue à Pérageuse. Je m'appelle Emmanuel Diboc. J'ai 20 ans et je suis vice-championne du monde de border cross. Emmanuelle n'a que 8 ans de snowboard derrière elle et elle est déjà vice-championne du monde de border cross, une spécialité qui privilégie la vitesse. Donc ça demande aussi d'aller vite, de tracer des belles courbes et de faire un peu des beaux sauts, d'aller vite et haut. Donc c'était un bon compromis et c'est ça qui m'a plu. Emmanuelle partage sa vie entre le snowboard et la fac. Elle est étudiante en sport à Toulouse. On a quelques aménagements à la fac avec le statut de haut niveau. Donc là, je reviens un peu en cours. On peut passer des examens en session spéciale. Mais c'est quand même difficile d'avoir la tête et aux études et au snowboard. Mais on essaye de faire le maximum pour y arriver. Et ça lui réussit. Emmanuelle sera la semaine prochaine en finale de la Coupe du Monde. On compte sur elle. Le 6 minutes national et les 6 minutes locaux, c'est sur M6.fr. Il y a deux mots. Oui, il s'agit d'une personne, mais qui est-ce? Miss Fine. C'est à propos de Miss Fine, mais quoi, dites-moi. Allez, on vous le dit, une nounou d'enfer, c'est dans un instant. Sam Révolte, c'est un nouveau rendez-vous d'information sur M6 où l'on vous donne la parole pour dénoncer les injustices ou simplement pour rechercher la vérité. Dans Sam Révolte, tous les thèmes sont abordés à travers reportages et témoignages. Que ce soit chez vos voisins, des particuliers inconscients qui élèvent dans leur appartement des animaux sauvages et dangereux. Le risque zéro, ça doit pas exister à ce genre de bête. Hein. Ou encore le coup de gueule des utilisateurs de cartes de fidélité de grande surface qui se retrouvent très rapidement surendettés. Pour prêter de l'argent, ils sont toujours là, mais le jour où vous avez un problème, il n'y a plus personne. Présenté par Bernard de la Villardière, Sam Révolte, ce sont vos coups de gueule sur les thèmes qui touchent notre société, demain à 20h50 sur M6. Dégradation par l'ouest demain.
Le risque d'avalanche sera encore important sur les Alpes, en atténuation sur les Pyrénées. La matinée sera faiblement pluvieuse sur la Bretagne, bien grise du Cotentin à l'Aquitaine avec quelques ondées et des vents à 70 km/h sur les côtes. Un voile nuageux s'étendra à l'avant. Le soleil finira par briller sur le reste du pays, mais attention aux plaques de brouillard sur le nord-est. L'après-midi, un ciel couvert donnera des pluies modérées sur la Bretagne, plus faibles à l'avant. Des averses par-ci par-là de la Haute-Normandie à l'Aquitaine. Les vents se renforceront sur les côtes. On attend aussi quelques gouttes sur le massif central. Ailleurs, le ciel sera voilé, les nuages seront plus denses autour du golfe du Lion avec du vent marin à 60 km/h en pointe. Il fera plutôt beau sur le nord-est, le sud-est et la Corse. Des gelées concerneront encore le nord-est le matin. Biarritz sera déjà au top avec 13. Le mercure sera en hausse l'après-midi avec pas moins de 11 à 14 sur la moitié nord. Biarritz grimpera en flèche jusqu'à 22. Toutes les prévisions météo, 24 heures sur 24, c'est sur m6.fr. Contrat de confiance. Allez, tous ensemble, on se motive et maintenant, on va regarder la pub. Parce que vous bougez, Vitel Bouchon Sport. Un bouchon sport, une bouteille souple. Et vous buvez comme vous voulez, quand vous voulez. Vitel Bouchon Sport, l'eau mobile. Nouveau, voici des make-up duo. Sa force, ce sont ses deux faces complémentaires. Sa face striée enlève les maquillages les plus difficiles. Sa face lisse nettoie en profondeur les plus infimes impuretés. Nouveau des make-up duo, deux faces pour un démaquillage parfait. La tradition fait ce qu'on aime, la tradition fait ce qui est bon. La tradition fait ce qu'on aime, la tradition fait ce qui est bon. Genoux, le bon saucisson, comme on l'aime chez nous. Si pur qu'il ferait envie aux anges. Son cœur croquant et fondant dans sa légère neige de coco. Chaque fois des nouvelles sensations. L'envie de Raffaello peut prendre n'importe qui, n'importe quand. Raffaello de Ferrero, l'envie innocente. Un simple hydratant ne suffit plus? Trop tôt pour une crème anti-rides? Nouveau, Alpha Flavon, le soin actif qui retarde l'apparition des premières rides. C'est prouvé, il aide la peau à se protéger elle-même du vieillissement. Nouveau Alpha Flavon de Nivea Visage, aide à stopper les premières rides avant qu'elles n'apparaissent. Oh. Ils disent de la conserve. Les nouveaux sachets saveurs William Sorin, c'est aussi bon que du frais. William Sorin, et la vie prend toutes ses saveurs. Mini vol au vent, mini canapé, cœur de paille, petit croquant. Belin, et si on prenait l'apéritif plus souvent? Boulin, laissez ma femme tranquille. Je ne veux pas d'une femme docteur. Le Far West était un monde d'hommes. Et être une femme de progrès au milieu de toutes ces brutes relevait du sacerdoce ou de l'inconscience. Dr. Quinn, femme médecin, un destin hors du commun, une femme au courage exemplaire, c'est du lundi au vendredi à 12h35 sur M6. Créature de rêve est un vrai cauchemar. Égaré dans les méandres dangereux de la manipulation génétique, Ben Kingsley sème la confusion et récolte la tempête. Natasha Henstridge est la mutante. Ce soir à 20h50 sur M6, elle n'a pas fini de vous étonner. Votre soirée cinéma d'un simple battement d'ailes avec MSN Search. Croustillez de plaisir en dégustant votre série avec Tradition de McCain.